Salut, salut les amis, bienvenue une fois de plus sur cet espace. Je m'appelle Prisca et je suis une Camerounaise basée à Douala, la capitale économique du Cameroun. Donc si c'est ta première fois ici, il faut bien t'installer. Aujourd'hui, nous allons comparer deux malls, ok? Le grand mall de Douala, Cameroun, qui est la capitale économique, et le grand mall de Yaoundé, qui est la capitale politique du Cameroun. Nous allons comparer ces deux structure. Donc déjà, je vous en prie, viens me donner un thumbs up. Viens déjà liker cette vidéo avant de continuer, ok? Et si c'est ta première fois ici, il faut déjà t'abonner. Active la cloche, tout juste là, à côté du bouton d'abonnement. Il faut activer la cloche pour toujours être notifié le premier chaque fois que je lance ou je dépose une vidéo. Donc déjà, nous allons parler de l'emplacement de ceux deux malls. Le premier que je vais parler de, c'est le Douala. Le grand mall de Douala est situé près de l'aéroport international de Douala, mais malheureusement, il est entouré des quartiers pauvres de la ville de Douala, comme Newbel, comme village. C'est là où ce grand centre commercial a été créé, a été bâti, près de l'aéroport, mais entouré des quartiers pauvres. Contrairement à Place, à Yaoundé, qui est vraiment très bien centralisé, il se trouve dans des quartiers riches, en face du palais Omnisport de Yaoundé et entouré des quartiers riches comme Bastos à Yaoundé. Ok, autre chose que je vais parler de, c'est la façade, la vue de près et ce que nous voyons physiquement. La vue du grand mall de Douala est vraiment très très impressionnante. Même l'entrée, la partie accueillante, les premières parties de vue sont vraiment très très impressionnantes. Très très impressionnantes. Impressionnant comparé à Place Yaoundé. Ça, cela, on ne le discute pas. Aussi, si nous voulons parler de la grandeur, des nombres de boutiques, le Douala Grand Mall est vraiment, a vraiment plus de boutiques, des hôtels, des bureaux, des immeubles de haute standing que Place à Yaoundé. Et cela s'explique vraiment, même la localisation du Grand Mall de Douala peut vraiment s'expliquer. Ça a été bâti près de l'aéroport parce que on s'entendait d'accueillir vraiment les gens de l'extérieur qui devaient venir. Ok, on ne voulait pas les faire beaucoup marcher pour entrer dans la ville avant d'y accéder. C'est pour ça qu'on a fait des hôtels, les immeubles des chambres de haute standing et même les bureaux, même quand ils sont vraiment chers. Ça explique aussi le prix de toutes ces choses. Autre chose que je vais parler de, c'est l'entrée des clients ou des visiteurs. Place est beaucoup plus visité, a beaucoup plus de clients, même les jours de la semaine, dans la semaine, que le Douala Grand Mall. Ça s'explique aussi vraiment, ok? Place est situé face du palais Omnisport, entouré des grands quartiers de Yaoundé comme Bastos. Les riches, ils trouvent comme une solution, ils trouvent cette supermarché ou hypermarket comme une grande bénédiction, quoi. Et pourtant, le grand mort de Douala, c'est terrible. Les gens de Nouvelle, les gens du village, ces quartiers pauvres de la ville, mon Dieu, qui peut... Les gens ne visitent pas, je te dis. Si pendant les week-ends et les jours fériés, vous allez trouver beaucoup de clients au grand mort de Douala. Les gens le prennent comme un centre d'attraction, les gens le prennent comme une place pour visiter, entre amoureux, pour amener les enfants, se distraire. Si tu veux changer un peu d'air, tu vas au grand mall, donc profiter pour se distraire un peu, pour manger un pot en amitié ou en famille, vous comprenez un peu. Donc, le week-end et les jours fériés, le grand mall a plus de clients. Et pourtant, c'est le contraire à Place à Yaoundé. Ce supermarché a beaucoup de clients, c'est toujours plein. Presque à toute heure de la semaine, chaque jour de la semaine, il a plus de clients. Oui, ça c'est la différence que vous allez trouver. Et ce qui est vraiment bien, c'est que les amis, les gens peuvent vraiment y aller là-bas, se distraire. C'est pas juste un supermarché, mais il y a les sessions de game house où les enfants peuvent se distraire. Il y a une session des restaurants où vous pouvez prendre quelques pots et vous asseoir et prendre un peu d'air et enjoy votre amour et enjoy votre amitié, enjoy votre famille. Voilà, le grand mall de Douala, il y a beaucoup plus de boutiques. Beaucoup plus de boutiques. Peut-être parce que Douala, c'est la capitale économique. Économique, donc il y a beaucoup de marchés, il y a beaucoup de choses. Les bails en scène, les gens vont quitter d'une autre partie de la ville ou une autre partie du pays pour venir faire les achats à Douala.
il y a beaucoup plus de boutiques dans le Grand Mall de Douala. Même quand ces boutiques ne sont pas occupées. Et la raison est que le COVID-19 a vraiment eu un impact négatif sur ce projet. Un grand impact négatif. Les choses dans des boutiques à Place à Yaoundé est plus chères que des choses dans les boutiques au Grand Mall de Douala. Oui, c'est vraiment, il y a une grande différence, c'est plus cher à Yaoundé, à Place et au Grand Mall. Et c'est bien vrai que normalement, en temps normal même, la vie à Yaoundé est plus chère que la vie à Douala. Ça s'explique, nous sommes dans la capitale économique. Donc, ça se dit, ça s'explique déjà ça. Donc déjà, pour faire le shopping à Place et à Yaoundé, il faut déjà être un Camerounais de type moyen, qui a vraiment de l'argent, qui a vraiment des sous. Parce que tu ne peux pas prendre ton salaire à la fin du mois pour juste aller faire le shopping ou acheter des choses à Place. Non. Et pourtant, le Grand Mall de Douala, c'est fait pour tout. Tout le monde trouve son compte. Il y a même beaucoup de choses qui se trouvent vraiment moins chères dans ce supermarché que dans les marchés locaux. Ça, c'est une très grande différence que vous allez trouver. Et dans ces deux supermarchés, vous allez constater qu'ils ont des boutiques en commun. Ils ont fait des espaces de boutiques européens où vous allez trouver les marques comme Mango, les marques comme Yves Rocher, les marques comme Zara et même les boutiques de Pâques, des choses africaines. Ça se trouve dans les deux supermarchés, Place et le Douala Grand Mall. Et ça make vraiment sense. It really makes sense because ça attire les clients de l'extérieur, ok? Ça va attirer les clients de l'extérieur et même les gens de nos. Donc déjà, si vous comptez y visiter, si vous êtes peut-être à l'extérieur et vous comptez visiter le Cameroun, vous avez des soucis, vous voulez savoir où est-ce que je vais résider ou alors quel supermarché est-ce que je vais y aller pour faire mon shopping pendant mon séjour ici, je vous ai donné les différences que vous avez besoin. Donc, s'il y a d'autres différences, vous avez eu à visiter ces deux endroits et j'ai omis certaines choses, veuillez me dire cela à la section commentaire, ok? Déposez-le à la section commentaire, je serai très ravie de pin votre commentaire. Donc, c'est juste à ces points, vous n'avez pas liké cette vidéo, s'il vous plaît, je vous en prie, faites liker cette vidéo. Il y a un bouton tout juste en bas. C'est un moyen de soutenir cette vidéo, de pousser YouTube à pousser ma vidéo pour plus de personnes le voir. Si vous voulez me soutenir en autre moyen, vous allez voir mon handle de Instagram tout là-haut. Donc, vous pouvez cliquer et me joindre sur Instagram. Il y a aussi un bouton de sous-potence qui est un moyen de me soutenir tout juste là en bas, près du bouton de télécharger et autres. Vous allez voir le sous-potence. Vous pouvez cliquer là et m'offrir quel que soit ce que vous avez. Et si vous trouvez ma vidéo en premier, si je suis en train de faire un premier de mes vidéos, vous pouvez aussi m'offrir un super-chat, ok? Donc ça, c'est certains moyens que vous pouvez me soutenir. Aucun contraire, si vous ne pouvez faire aucun de ces choses, autre chose que vous pouvez faire, c'est de visionner ces vidéos sans sauter mes pubs. Je vous en supplie, ne faites pas sauter les pubs qui se passent pendant mes vidéos. C'est le seul moyen par lequel je fais des sous sur cette chaîne. Donc, je vais vous laisser à la prochaine. Ciao. Bye bye.